Imaginez une application qui permet de vous scanner et d'avoir un vêtement sur mesure qui vous va à coup sûr. C'est ce qu'a créé Anne-Laure Dailly, fondatrice de Ça vous va. C'est ça. Je l'ai bien pitché. Tout à fait. Racontez-moi cette aventure incroyable. Ça a commencé quand j'ai rencontré des créateurs de mode sur mesure et je me suis rendu compte que eux ne pouvaient pas passer au digital parce qu'aucun outil n'était adapté à leurs besoins professionnels. Et moi, de mon côté, je cherchais à me faire créer des vêtements sur mesure, mais j'étais en province. D'accord. Et d'un côté et de l'autre, la demande était insatisfaite. Et comme je suis en veille sur les nouvelles technologies depuis déjà pas mal d'années, ça m'a permis, j'ai trouvé là vraiment une façon d'imbriquer des besoins et des passions et des nouvelles technologies. Et là, vous êtes lancé un an et demi à développer pour lancer là tout à fait récemment, donc c'est le 15 septembre. C'est lancé. On a la collection automne 2021 qui est en ligne. On a 5 créateurs. Donc vous avez des créateurs. Le client, via la rencontre de ces créateurs, dit « Moi, j'aimerais avoir des vêtements. Voici mes mensurations ». C'est pas tout à fait dans ce sens-là. Chaque créateur a une mini boutique sur le site avec sa collection. D'accord. La cliente clique sur le vêtement qu'elle souhaite faire fabriquer. Elle a créé d'abord son dossier de mesure, soit manuellement, soit grâce à un scan par téléphone. On le pose sur une table. Et on se met devant, et avec une photo, ça vous donne toutes vos mensurations. Donc impossible de se tromper. Impossible de se tromper, sauf si on ne connaît pas sa taille et son poids. Donc il faut être précis là-dessus. D'accord. Mais bon, on a pas mal de choses aussi pour éviter ce risque d'erreur. Et depuis la création d'une toile avant la fabrication du vêtement, jusqu'à la retouche finale, une fois que la cliente a essayé son produit chez elle. Donc vous avez facilité la vie du client, mais... Surtout des créateurs. Des jeunes créateurs. Oui, oui, oui. Et on leur permet vraiment de tâter le marché sans avoir besoin de créer des séries pour satisfaire le net, parce qu'aujourd'hui, le net, c'est ça, c'est des millions de produits et on essaye de vendre en masse. Et on va complètement à contre-courant de ça en proposant un service vraiment sur mesure, VIP pour la cliente. On n'a pas besoin d'avoir des millions de clientes parce qu'on est vraiment dans un service de luxe. Et on va vraiment le retrouver, ça, sur le site. Aussi bien pour le créateur, qui, lui, a besoin d'un service vraiment au top pour sa cliente, et pour la cliente qui a besoin, avec le produit un peu spécial, qui a besoin de tout l'accompagnement. Alors aujourd'hui, vous avez déjà 5 créateurs, c'est ça ? C'est ça. Et vous ambitionnez d'en avoir combien ? C'est une grande plateforme qui va quand même offrir une offre variée de styles, de tendances ? Ça va être varié, mais je ne veux pas qu'il y ait de concurrence. Donc on a une sélection. D'accord. Il faut aussi qu'il soit suffisamment professionnel pour ne pas avoir de problème à la livraison. D'accord. Donc vraiment, je suis vraiment certaine de la qualité du travail qui va sortir d'eux. C'est presque... À la limite, c'est les psychopathes du travail. Bien sûr. Et je sais que ça va bien sortir. Et vous vous rémunérez comment sur la vente uniquement ou uniquement c'est à sur la vente. Uniquement sur la vente. On a une commission une fois que le produit est vendu. Donc pour eux, c'est aucun risque. Aucun risque pour le jeune créateur. C'est ça. Et au maximum, on en aura 30 sur la plateforme. D'accord. Donc vous voulez vraiment sélectionner, donner la chance à ces créateurs de s'en sortir. Ouais. Vous n'êtes pas là c'est pour faire de la masse. C'est une assurance pour la cliente aussi. Ah non, 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 non. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Anne-Laure ? Un bon lancement, puisque là, ça y est, on peut lancer les commandes. D'accord. Et un bon développement, puisque là, on passe à la phase vraiment d'innovation où on va proposer vraiment un produit qui n'existe pas sur le marché et un outil digital pour les créateurs qui va leur permettre vraiment de concurrencer les grandes maisons de mode. Les jeunes créateurs peuvent donc vous contacter Jeunes créateurs ou moins jeunes, mais petits créateurs. Petits créateurs peuvent vous contacter donc et peut-être être sélectionnés pour être vendus chez Ça vous va. C'est le moment. C'est super. On va donc, en si vous avez entendu Anne-Laure Dailly, vous n'hésitez pas à postuler. Ça vous va, c'est une nouvelle façon de faire découvrir votre marque aussi. Merci. C'est une très belle idée.
Ben, merci. Super. Eh bien, écoutez, venez nous raconter la suite dès que vous voulez. Ah, j'espère, à très avec bientôt. Plaisir. Je vais avoir des on actus très vite. On se retrouve très vite. Et vous, ben, on vous souhaite bonne chance. Merci. Beaucoup de succès, tout. De beaux créateurs, voilà, et de courir vite parce que je crois que l'idée va intriguer. Et j'espère que ça va faire beaucoup de curieux, en tout cas. Mais voilà, maintenant, il faut aller vite. Exactement. Et eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Demain la Tech. Thank you.